du Kaiser Rex, fils de pute du président. Je croyais que le gouvernement n'avait plus d'argent, mais finalement, nous avons de belles voitures quand même. Hein. Ils ont déménagé, regarde-moi ce qu'ils ont maintenant. Regarde ma salope là, la petite salope là, regarde ma salope. Oui, bonjour ma petite dame. Bonjour darling. Mais je trouve ça inadmissible que vous accusez mon petit frère comme ça. Ça va pas le faire, hein, mon grand frère plutôt. Voilà. Oui, ça va pas le faire. Oh, c'est n'importe quoi. Vous allez faire votre salope là devant nous. Excusez-moi monsieur, il y avait pas besoin d'un jardinier, vous voyez, il y a pas d'espace. C'est vous pouvez décider. It's my little brother, you know, so shut the fuck up, okay? J'ai pas tout compris. J'ai pas compris. En gros, j'ai dit que tu fermais ta gueule, c'était mon petit frère, ok? Oui, parce que là, ça va... Okay. Chérie, écoute-moi, chérie, ça va pas le faire du tout. Déjà, vous m'appelez pas chérie, je suis pas votre pote. Darling. Et déjà, vous allez redescendre, parce que écoutez, vous êtes en train d'abuser. D'abord, c'est la faute de votre mari. Et le réparateur, là, il fait quoi, là? C'est la faute de votre mari, c'est la faute de votre mari. Il est incompétent, et c'est tout. C'est tout. Allez, son petit... C'est n'importe quoi. Vendu, ils ont parlé des langues latines, on m'a tout déglingué, tout le monde. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Ouais, j'ai tout compris. J'ai dit, attention, faut pas m'énerver, on m'a défait du Kung Fu Panda, t'es tout déglingué, on tout fracassé. Goûtez dans vous et votre sale petite gosse qui est venue voler notre chariot gringo de Bjork. C'est à cause de cette connard de fils de votre fils de pute, hein? Ah oui, oui, tout à fait, parce que c'est vous la pute. Bande de putes, bande de salopes, avec tout le respect pour vous, vous êtes des petites salopes. En vous êtes des voleurs. Je comprends pas tout ce qui se passe là, je rêve ou comment ça se passe? L'enculé de vos morts. D'accord, on vient et on m'insulte, à quel moment on a arrêté de m'insulter? Vous êtes des voleurs, bande de voleurs, tout déglingué. Votre mari est un incompétent, ce n'est pas de notre faute, hein, non, non, non. Non. Oh là là, mais c'est insupportable! On est énervé, voyons donc! On est énervé! On en a gros, tu comprends? Ta gueule! On en a gros! Mais comment vous me parlez? Vous n'avez pas honte? Je suis un gentleman! Je suis un gentleman! De l'aristocracy! British, yeah? Yeah! Vous avez besoin de ramener votre frère? Parce que très honnêtement. Moi je dors! Mais tout à fait, mon frère! Moi je dors! Alors vous êtes vraiment irrespectueux! Servez-nous un café et faites-nous rentrer dans les trois! Moi je dors! Eh ben, comme vous avez dû... Brian is in the kitchen. Ça va être con. C'est l'heure de la réunion là, monsieur. Ramenez-nous à l'intérieur, s'il vous plaît. Madame, faites quelque chose là. Faites votre travail, dépêchez-vous. Petite enculée, c'est bon. On y va, s'il vous plaît. Respectez-nous, nous sommes l'élite. Dépêche-toi. Allez, râle le dire. Can you repeat, please? Ça dépend la taille de la président. Hello, guys. Bonjour, bonjour, Mr. le président. Bonjour monsieur le banquier. On va avoir une petite explication les deux, hein. On va avoir tous une explication. Le chinois, il est où? How do you do? Il va avoir un peu de retard, c'est mon petit frère. Excusez-moi, j'avais été obligé de l'emmener parce que sinon il avait des petits problèmes, tu comprends? Je trouve ça inadmissible que vous traitez ainsi mon frère, que vous l'accusiez alors que c'est votre gros bâtard. On n'a rien accusé, monsieur. Ah, I'm totally agree with him. Yeah. Je pensais que cette réunion était basée sur du professionnalisme. J'en ai pas l'impression. Tout à fait. Moi, je suis venu expliquer les faits et on est dans les couloirs, messieurs. Bah, je passe déjà. D'aller directement dans un bureau. Je voulais vous dire, monsieur le président, mettez bien ça bien plus au fond. Calme-toi, Mike. On se calme. Mettez ça bien là où je pense. Calme-toi, darling. Calme-toi, darling. Je suis outré. Excusez-moi, monsieur le président, c'est mon petit frère. Je m'engage à prendre les responsabilités. Alors, moi, j'ai juste une chose à vous dire. Vous êtes bien élevé, mais mon frère, pour l'élever. Mettez votre doigt dans ton cul. Dans ton cul, tu mets ton. Si ça continue, je vais devoir vous prendre et vous emmener là-bas. Mais toi, pourquoi tu parles? Listen to me. Could you speak more slowly? Il va le mettre dans son cul, son doigt, lui. Vous pouvez pas baisser un peu votre doigt, je pense que vous allez avoir des crampes. Dessus. Mike, descends ton doigt, mais s'il te plaît, merci beaucoup. Ah, voilà. C'est inadmissible. On peut être professionnel maintenant? Oui.
oui, on peut tout à fait, ma chérie, ma piquette. Bon, allez, le portugais. Vu que t'as construit le bâtiment, dis-nous où c'est. Comment vous parlez au président du Portugal? C'est incroyable le disrespect qui se passe dans cette pièce. C'est incroyable. Choqué. Le non-respect, monsieur, il a commencé à partir du moment où vous avez ouvert la bouche. Pour remonter vos putains des États-Unis, au final, vous prenez de maçon. Oui, il a fait bien parcourir, hein, de l'eau, hein. De toute façon, moi, je suis viré. I'm fired. Because, ah bah ça, c'est sûr que vous êtes viré. Le little kid là, le little kid là, Tom, je ne sais pas quoi, votre fils de merde là. Eh ben, oui, en gros, vous êtes en train d'accuser un gamin. Petit fils de pute, celle-là. Comment ça, mon fils? Vous parlez autrement de mon fils, sinon vous dites que vous remontez les bretelles. J'en ai rien à foutre. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui, la ville est en faillite, hein, à cause de votre putain de fils. Comment ça, à cause de mon fils? C'est pas lui, hein. Attendez, il a dit fils là, je rêve. Oui, il a dit fist. Yeah, my fist. Il sait même pas parler français en plus. Oui, non, mais fist, voilà quoi. Toi, tu could you speak more slowly? Et vous, depuis que vous êtes viré, vous parlez mal, hein? Ah bah ça c'est sûr, hein. Bah j'en ai rien à foutre, c'est fini, j'ai plus de salaire, j'ai plus de paye, j'en ai rien à foutre. Ah maintenant. Bah chômage. Arrêtez de perdre de temps. Open the door, please. Brian is in the kitchen. Et moi aussi, la même chose pour vous. Regarde-moi ça, Mike, comment elle roule du cul, cette salope. Une belle petite poufiasse. Monsieur, je vous entends, là. Une grosse poufiasse. Oui, darling. Mais je vous entends. Ouais, je veux plus. On a rien à... Regardez, ils ont même pas de femme de ménage. Regarde comment elles sont, les chaises. C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Vous avez deux pieds, vous avez deux jambes. Regardez-moi les chaises. Regardez, c'est n'importe quoi. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez foutu mon bonzalo à chômage. Qu'est-ce que vous allez faire? On n'a plus rien à perdre. Ah bah, c'est sa faute, hein. Okay, c'est votre faute est-ce à vous. Il est possible de commencer. Ah, madame, mais. Quel insolent, sale fils de pute. De quoi vous avez dit quoi là? Oh mon dieu. Il a dit quoi là? Avec quoi vous, bien sûr, avec tout le respect. Depuis tout à l'heure, ce monsieur, il dit des fils de pute avec le respect. Non, je rectifie, c'est des fils de pute. Non, mais écoutez, nous sommes british, nous avons la classe, quoi qu'il arrive, peu importe le mot qu'on dit. Donc si on vous traite de fils de pute, ce n'est pas contre vous, mais ça ne veut pas... Mais vous traitez sa mère, mais vous avez fils appris où je l'engage là, je suis outré non, mais ça, par c'est... cette situation. Vous êtes intenable, messieurs. Sachez-le, il est... Oh, c'est insupportable. J'en perds mes mots. Qu'est-ce qu'il a, le petit con? C'est nous, excuse me, c'est nous, c'est notre faute. Vous accusez mon grand frère comme ça, donc il a rien fait. Avec votre bâtard de fils qui est venu dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Comment vous parlez de mon fils, là? Il a jamais rien fait de mal. On se calme. Je vais vous laisser, je vais vous encore une fois, voilà. Nous avons un invité. On m'a dit en pas de retard. Oui, les Chinois sont toujours en retard. Salut ma petite bastarde. Ah, comment ça va, roule? Ça va, tranquille. Je tiens à expliquer que le gamin a quand même lâché une grenade dans la banque. Il a lâché une fucking grenade. A fucking grenade. Heureusement qu'il te vient d'arriver. Bah oui, vous vous rendez compte, il a mis la vie en jeu d'agent de sécurité, des civils. Bah c'est bon là. Mais ouais, non, mais c'est Alors, on va mettre le point dans les i. Alors actuellement, l'Amérique a besoin de moi. C'est moi qui fabrique les ordinateurs là. C'est moi qui fais tout ici, d'accord? Donc moi, devant mon argent, devant tout déglinguer, qu'on se bat à tout défendre. Oui, bah donnez les sushis, Pascal. Donnez-moi des sushis. Donnez-lui des sushis, un café. Allez. Monsieur Abdoul, ça m'énervait tout ça. Qu'est-ce que je veux trouver ça? Non, mais vous faites quoi? C'est quoi ça? Pardon, c'est quoi? Little brother. J'ai pas fait exprès. Calm down. Ça m'a tombé. Ni hang, c'est japonais. On est strictement interdit de parler une autre langue. Il faut qu'on puisse tous se comprendre. Mais écoutez, nous sommes polyglottes. Que veux-tu, darling? Attendez, si tu n'as pas de conscience intellectuelle pour avoir la présentation, toi, t'es qui? Je ne sais pas, c'est une petite pute depuis tout à l'heure, retourne sur le bridge. Monsieur, rangez votre doigt. Retourne sur le bridge. Damn you. Oh putain, comment il écrit tout. Pardon? Alors, tu vois ton écharpe là, ton cou? Eh ben, t'es du Madentina. Ta veste, t'es du Madentina. Ta tête, t'es du Madentina. Là, qu'on voit à Goudoubadi. L'écoute pas, son pénis aussi, le Madentina. De quoi ça s'associe? Quoi? Alors là, vous déclarez la guerre. Mais...
caricature de ce que vous voulez dire. I don't give a shit. Oh motherfucker. Allez, défonce-les tous, petit frère, défonce-les tous. Allez, petit frère, défonce-les tous. Oh merde, ils sont les cocktails de Molotov. Non, petit frère, pas moi. Non, non, arrête, petit frère. Calme, monsieur Cam, c'était pour sécuriser. Okay. Non, 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 comment c'est quoi ça? C'est quoi ça? Appelez les pompiers! Appelez les pompiers! Vous. Non, 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 on se calme, ce n'est pas moi. Vous deux, dehors là. Ce n'est pas moi, on se calme. Montrez. Vous arrêtez vos conneries là. Non, 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 c'est de ma faute, c'est ma... je n'aurais pas dû faire. Devait tenter un katana chinois, devait tout vous découper. Calme-toi, ma chinois. Calme-toi. Eh, à l'intérieur, s'il vous plaît, stop, stop les conneries. On t'a sauvé quand même, chinois. Ah, j'ai pas ça. Ah non, pardon. On lance le décret de guerre. Attendez, on m'a dit de Nantes, la guerre de Nantes, la bombe nucléaire, mais tout déglingué, moi vous me connaissez pas. Non, mais non, mais non. Kim Jong, Kim Jong Hong, Jim Jong Jong. Non, mais monsieur Shinta, vous allez déglinguer autre chose, peut-être des poissons, mais pas les personnes ici. Devez appeler mon pote, devez appeler mon pote, devez appeler mon pote Kim Jong Hong, on va déclarer la guerre là, vous êtes dans la merde. Écoutez, écoutez-moi bien, grosse pute, écoutez-moi bien. Non, mais vous parlez comment? Vous parlez comment, ma femme? Non, mais je commence à en avoir pas le bol. Comment ça se fait que ton frère était au courant du lieu? Mais comment ça se. Mon frère, c'est mon avocat, il n'est pas au courant. Je lui ai expliqué après les faits. Je lui ai expliqué après les faits. Après les faits. Oui, il aurait dû fermer sa gueule en vrai. Quoi? T'en m'aurais pas plu? Comment vous parlez? Comment vous parlez au président du Portugal? C'est un truc comme ça. Oh, oh mon dieu! Oh my fucking god! Monsieur Abdul! What is happening? Comment t'as trompé la mère? Oh, mais oh, qu'est-ce que vous faites? Oh my god! Aïe, aïe! Holy fuck! Oh, Mike, wait me! Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, ma chérie? C'est quoi? Nique-lui, c'est comment? Défonce-lui sa gueule! Don't touch my brother! Oh, c'est quoi ça? Don't hang your... Oh, il m'a fait tomber par terre. Nous sommes tous excités, vous savez, c'est parce que c'est votre présence. Votre présence nous excite, madame. Nous sommes excités, vous comprenez. Oui, madame. Oh, madame la présidente, tu es toujours rêvé d'abord. Madame la présidente. Allez, maintenant, tu bottes plus, sinon on te fracasse la gueule. Oh, putain, ce chinois, il est insupportable. On s'en va, au revoir, goodbye. Vous prenez conscience que là on a. David n'a plus d'argent. Rien, on a rien fait. Il va aller le faire en face. Vous avez passé votre temps à insulter les gens, messieurs. Écoutez, c'est votre faute de toute manière. Allez, je vous attends. À tout de suite. Que le président. On peut y arrêter les deux individus derrière. Ah, dépêchez-vous. Venez, monsieur. T-shirt blanc et le col avec. Non, motherfucker, bitch. Non. Écoutez. Monsieur le Président, faites quelque chose, contrôlez votre femme, elle fait n'importe quoi. Sachez, Monsieur le Président. Ma chérie, c'est où là? Monsieur les agents, arrêtez-le, s'il vous plaît. Dites à votre femme de fermer sa gueule. Arrêtez-le, monsieur. Je vais plus avoir de soucis, ma chérie. Dites-lui de relâcher mon frère. Dites-lui de relâcher my brother. Dépêchez-vous! Il nous a menacé, Abdul. Il nous a menacé avec un couteau. Ouais. Celui-là, ce bâtard. Ah, pas du tout, c'est n'importe quoi. Mais il a menacé avec un couteau. Alors, complètement drogué. Protégez-moi, monsieur l'agent. What the fuck? Protégez-moi, bougez pas. Non, mais bougez pas, j'ai dit.
Oh, mais arrêtez, monsieur le président, vos bêtises, franchement, c'est d'une futilité. Fouillez-le, monsieur l'agent, fouillez-le. Fouillez-le, il a une clé anglaise, parce que ça va être chez lui. C'est ce qu'il a dit. Ah non, 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 je n'ai rien de tout ça. La deuxième personne est où? Je crois qu'elle est partie par là aussi. Hein. Par contre, ça sent pas très bon. Hein. Je préfère aller voir ça. Hein, il est là, il est là, il est là. Voilà. Là. Vite. Oh putain. Oh putain.